Ok, c'est parti pour un point lecture et je suis tellement à l'arrache que je ne sais pas encore là au moment où je te parle de quel livre on va parler. Je vais regarder tout de suite sur Livre Addict ce que j'ai lu dernièrement. Ça prouve bien que vraiment je ne prépare pas mes points lecture du tout. Je ne sais pas de quoi on va parler, je ne sais pas ce que je vais dire. Voilà, c'est peut-être aussi pour ça que c'est le bordel dans mes vidéos. Alors il va y avoir vachement de coupes parce que je fais que de tousser et tu vas voir en fin de phrase des fois je finis un petit peu comme ça parce que genre là tout arrive mais je vais absolument finir ma phrase. Terrible. J'ai pris mon carnet, ça doit être un peu plus à jour. Alors, a priori, je t'ai parlé de ça, de ça, de ça, de ça. Je ne t'ai pas parlé de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire mes lectures de Mars, Mars au féminin. J'ai lu « Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux » de Martha Hall Kelly. Dans ce livre, on est... Alors déjà, je l'ai écouté en livre audio. Ça, c'est une première chose. Et dans le livre... On est à l'aube de la guerre 39-45 et on suit trois personnages. Une Allemande j'ai déjà dit c'est moi en vidéo, j'ai dû faire un vlog où je commençais cette lecture. Donc une Allemande qui idolâtre Hitler, une Polonaise qui voit son pays être envahi par les nazis et une New-Yorkaise qui travaille à l'ambassade de France et qui voit ça avec distance finalement. Je vais pas tout à fait rentrer dans les détails parce que ça fait déjà un petit mois que je l'ai lu et en plus comme le sujet est sensible, je ne veux pas dire de bêtises. Mais je peux te dire que ce livre m'a fortement touchée. Je lis assez peu de livres finalement sur la guerre 39-45, enfin sur les guerres en général, c'est un petit peu compliqué. Mais celui-ci m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé l'alternance de points de vue, même si la première chose que je me suis dite, c'est fou comme l'histoire de Caroline, donc celle qui est à New York, m'intéresse beaucoup moins, parce que je vais commencer finalement par le point qui m'a paru négatif, parce que son histoire à elle est mêlée d'une espèce de romance, d'une histoire d'amour en fait, et d'une histoire d'amour contrariée par la guerre. Et à plusieurs moments, quand j'arrivais sur ces... je fais ça, mais alors j'avais pas du tout le livre, j'étais en audio, mais quand j'arrivais sur ces chapitres à elle, je me disais, oh non, je m'en fous de son histoire. Bon, déjà, au-delà du fait que c'est complémentaire évidemment avec le reste du livre, et puis que ça donne quand même une vue un petit peu plus distanciée de cette guerre, ça c'était intéressant, mais il y avait cette histoire voilà, d'amour et en fait avec du recul je me dis que heureusement que c'était là parce que les chapitres qui traitent de la jeune polonaise ou de la femme allemande médecin, ils étaient tellement durs, tellement intenses en termes d'émotion et d'horreur que il y avait finalement sûrement besoin de ces chapitres là pour s'aérer, prendre du recul sur l'histoire tout en restant évidemment dans le contexte. Donc voilà, ceux qui m'ont le plus touché, c'est donc l'histoire de cette jeune Polonaise qui se retrouve dans un camp pour femmes. Et j'ai vraiment peur de dire des bêtises sur le monde des camps, tout ça, parce que je suis pas du tout une spécialiste de cette période. Je suis une spécialiste de aucune période d'ailleurs, au passage. Oui, c'est ça, elle est envoyée au camp de Ravensbrück. Et pour ceux qui ne connaissent pas, comme c'était le cas pour moi, c'est le plus grand camp... qu'il y avait spécialement pour les femmes en fait pendant la guerre. Et dans ce camp il s'est passé évidemment des atrocités parce que comme dans tous les camps, mais il s'est passé beaucoup de choses autour de la médecine, des expériences médicales. Et on suit Kasia, je ne sais plus comment on prononce, qui sera une des victimes et un des cobayes en fait de ces expériences médicales. Et c'est là que on croise la route, enfin que les histoires s'entremêlent, puisque l'Allemande médecin qu'on suit fait partie de l'équipe médicale et est finalement un des bourreaux de la jeune Polonaise. Donc tu imagines bien que tout ça est très éprouvant et à la fois très instructif parce que l'autrice a fait beaucoup de recherches sur le sujet et d'ailleurs le personnage du médecin qui s'appelle Hertha, je ne sais plus le nom, Oberhauser, un truc comme ça. Oberhauser, peut-être ça se prononce comme ça, est un personnage, enfin une personne qui a vraiment existé et qui a vraiment exercé ce rôle-là dans ce camp de Ravensbrück. Donc voilà, autour de ça, elle a créé une histoire. Mais en fait, il y a beaucoup de personnages, de médecins, de faits, de lieux qui partent de la réalité et également ce truc-là d'expérience médicale qui est vraiment, vraiment véridique.
Voilà, et elle, elle a brodé et écrit autour de ça. Tout en, et on sent que c'est très renseigné, très fouillé. Et à la fin, ils expliquent voilà, qui elle a rencontré, comment elle s'est imprégnée de toute cette histoire et de ses recherches. Enfin voilà, en gros, ce qu'il y a à dire, c'est ça. Et aussi, un truc qui m'a surprise, c'est que le livre, arrivé au milieu du livre, c'est déjà la fin de la guerre et la fin du camp. En fait, il y a toute une grosse partie, je dis la moitié, mais je me trompe peut-être, en audio, c'est difficile à définir, mais il y a toute une énorme partie de l'histoire qui concerne l'après-camp sur plusieurs années, l'après-guerre en fait je devrais dire, sur plusieurs années. Et ça, c'était très intéressant, très fort, parce que finalement les peu de trucs que j'ai lu, vu, machin sur ce sujet-là, il y a eu très peu de choses sur la reconstruction en fait. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est sorti d'un camp, ou une fois qu'on a arrêté de torturer les gens, ou une fois que la guerre est finie quoi, dans quel état se retrouve le pays, se retrouvent les gens psychologiquement, économiquement, tout ça, et qu'est-ce qui est mis en place dans les premières années pour aider les victimes de la guerre, mais aussi comment ça s'essouffle avec le temps et que très vite on les laisse un peu à l'abandon. Enfin voilà, toute cette période de l'après m'a vraiment super intéressée, et j'ai trouvé ça vraiment malin enfin de continuer l'histoire, bien qu'au début j'ai été un peu décontenancée quand j'ai vu tout ce qui est resté de livre et que la guerre était finie. Mais vraiment, je regrette pas du tout, et je l'ai pris en livre audio ce livre parce qu'en fait je m'étais acheté d'occasion la suite. Alors je sais que c'est pas une suite de l'histoire, mais le deuxième livre, attends je le cherche. Ah voilà, j'ai trouvé. Je t'ai trouvé à Emmaüs un parfum de rose et d'oubli, donc qui est le deuxième livre qu'a écrit Martha Hall Kelly. Alors c'est pas du tout une suite parce qu'on ne retrouve ni les personnages, et je crois que c'est pendant la guerre 14-18, voilà c'est ça. Mais j'avais quand même envie de lire les choses dans l'ordre parce que j'ai un petit côté comme ça, j'aime bien lire les livres dans l'ordre, même si c'est pas vraiment une suite chronologique dans l'histoire, ou comme là d'ailleurs une histoire complètement différente, enfin bon bref. Je fais ce que je peux avec moi-même. Hein. Donc voilà, super lecture, j'ai adoré. Après, il faut quand même prendre mon avis en ayant en tête que j'ai très peu lu sur le sujet et je suis finalement assez peu documentée. Donc je sais pas si quelqu'un qui a lu énormément de choses, je sais pas comment il recevrait ce livre-là en particulier. En tout cas, moi, ça m'a vraiment chaviré. C'était à la fois très dur, mais pas... comment dire ? J'ai envie de dire, c'était pas insoutenable. C'est terrible de dire ça parce qu'il y a vraiment des choses insoutenables. Mais dans l'écriture, c'était pas quelque chose pour me faire vomir. Tu vois ce que je veux dire ? Même s'il y a vraiment des choses qui sont terribles, l'écriture est... et l'autrice est avec son lecteur, je trouve. La deuxième lecture que j'ai faite, et là on part sur un tout autre style et une toute autre ambiance, puisque j'ai lu Meurtre et Charlotte aux fraises, le tome 2 des enquêtes d'Anna Svensson de Johan Fluke. J'ai tout dit, ça y est, je suis booktubeuse. Oh non, édité au Cherche Midi, là j'ai tout dit. Voilà, mais je savais qu'il manquait encore un truc. Bon bref, que te dire là-dessus, on est dans une petite ville. Alors ça c'est valable pour le tome 1 et je pense pour tous les autres tomes. D'après, on est dans une petite ville et on suit Anna, genre qui tient un magasin de cookies. Elle est pâtissière, la meuf, et il y a un meurtre là où elle vit. Et parce qu'on est dans un bouquin et que ça n'a vraiment finalement pas le moindre sens, c'est la pâtissière qui se retrouve à résoudre les enquêtes. Écoute, qu'est-ce que je te dise ? Tu vois bien le genre, hein ? J'ai lu le tome 2, j'avais apprécié le tome 1. J'ai apprécié le tome 2, c'est pas la lecture de ma vie si tu veux, mais c'est une bonne page de publicité. Mais pourquoi je dis ça à chaque fois ? Mais la pub, ça fait pas plaisir. C'est plutôt la glace que tu vas chercher pendant la publicité. Tu vois, c'est le petit truc frais qui te fait respirer après le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Il y a vraiment des choses, il faut que je fasse un effort de ne pas lever les yeux au ciel, mais je dis ça en toute connaissance de cause. Et il y a plein de gens qui prennent du plaisir à cette saga d'enquête et je peux que le comprendre parce que oui, c'est mignon quoi, c'est mignon. À base de meurtre mignon quoi. J'ai lu également La part des flammes de Gaëlle Nohant. Où est La part des flammes ? La part des flammes. Donc là, on est en 1900, pas du tout. Donc là, on est en 1897 au Bazar de la Charité, qui est une vente de charité qui a lieu chaque année dans la haute aristocratie parisienne. Tout le monde s'organise, les stands sont prêts, nanana. On est au climax de la foule. Et là, un incendie se déclare et la plupart des femmes
périssent dans l'incendie parce qu'elles sont là avec leurs énormes robes. Et donc du coup, elles meurent. Oh, c'est terrible de faire ça, alors que c'est terrible, c'est une vraie histoire. Enfin, il y a vraiment des gens morts et moi je suis là en train de faire des simagrées. Oh, excusez-moi. Et on suit là aussi trois femmes. Il faut croire que c'est un truc qui marche en littérature. Et on suit toutes leurs liens entre eux. Et on suit aussi comment le tout Paris s'empare de cet événement. Parce que finalement, là, c'est pareil. Un petit peu comme dans l'autre livre, le premier que je présentais, il y a l'incendie. Et en fait, il ne s'agit pas de l'intégralité du livre. C'est surtout le après. Et donc, d'abord cette espèce de d'élan d'émotion et de panique, de peur, enfin bref, tout un tas de trucs juste après l'incendie, mais comment ça se passe aussi après, dans la longueur, et les choses s'étirent, et finalement le rejet de ces femmes un peu brûlées, avec une chevelure qui n'est plus une chevelure de toute beauté, une peau, enfin vous voyez, des cicatrices, des stigmates physiques, et la rudesse de ce milieu, j'allais dire la méchanceté, ça fait très naïf de dire le mot méchanceté, je trouve. Mais oui, c'est ça en fait, de ces gens riches et vraiment tellement basés sur l'apparence, le qu'en dira-t-on, les relations entre eux. Enfin, c'est vraiment un monde à part et c'est assez terrible de suivre ces femmes qui sortent de cet enfer, de ce brasier. Il y a aussi le thème de l'asile psychiatrique qui est abordé. Donc ça, c'est un truc qui m'intéresse, hein. J'en avais déjà parlé. D'ailleurs, j'avais demandé des recommandations sur ce sujet que j'ai perdu. Si vous avez des recommandations de livres, parce que j'ai lu La salle de bal, puis Le bal des folles, puis le 10 jours dans un asile, j'aimerais bien d'autres titres là-dessus. Je vous avais déjà demandé ça il y a hyper longtemps, mais je ne sais plus où, je ne sais plus quoi, je ne sais plus où je les ai notés. Bref. Eh ben, j'ai adoré cette histoire. Alors, au tout début, j'ai eu un petit peu de mal parce que les noms comme ça, il y a toujours prénom, particule, nom. Et j'avais du mal à séparer bien les personnages. Alors c'est vraiment moi, parce que pourtant ils se ressemblent pas du tout. Mais une fois que voilà, je m'étais approprié les personnages, qu'on se connaissait mieux et que j'avais bien à différencier qui est qui, j'ai été plus à l'aise et voilà, j'ai aimé lire ce livre. Et vraiment le fait que ce soit vraiment arrivé, enfin ça rajoute un cachet de ouf. Enfin ça rajoute un truc quoi, tu vois. Ça traite de l'humain dans ce qu'il y a de... à la fois dans l'empathie, parce qu'il y a des personnes qui sont là pour soutenir les autres, qui donnent leur vie presque pour les autres, des personnages extrêmement touchants. Et puis il y a les autres, ceux qui se détournent, voire qui peuvent attaquer juste pour paraître. Donc il y a vraiment cette histoire de paraître. On parle de l'humain dans tout ce qui est de plus joli et de tout ce qui est de plus moche. Et on parle de la reconstruction et voilà, c'est vraiment des sujets intéressants avec un fond historique passionnant. Enfin bon, bref, moi j'ai beaucoup aimé. Donc je sais pas trop ce qu'elle a fait d'autre, Gaëlle Noir, mais je vais me renseigner. Et enfin, juste pour terminer très rapidement, j'ai lu Lait et miel de Roupi Kaur, je crois que c'est ça son nom. Je l'ai lu en liseuse, donc je l'ai pas avec moi. J'ai beaucoup beaucoup entendu parler de ce livre, de ce qui est un recueil de poésie, de très courte poésie, de très courts poèmes, pardon. Beaucoup de gens ont été extrêmement touchés par ce bouquin. Moi, j'avoue que, bon, bah, j'ai pas été emballée plus que ça, même s'il y a des vrais textes qui m'ont parlé, qui m'ont touchée, qui ont résonné en moi, dans lesquels je me suis même reconnue et que j'ai eu envie de surligner. Le livre, dans sa globalité, je crois plutôt que la forme poétique ne me correspond pas. Je ne suis pas une femme poétique. Non mais je sais pas, il était séparé en 4 parties, je ne sais plus, je vais dire des bêtises, mais il y avait un truc sur genre la reconstruction, la rupture, ça je sais qu'il y avait le thème de la rupture, il y avait et je me rappelle que la première partie, celle qui ouvre le livre, est assez noire, assez sombre, il y a des thèmes vraiment violents et je crois que commencer par moi, par ça, ça m'a un petit peu décontenancée. Alors attendez, je regarde vite fait si je retrouve les thèmes, mais vraiment le premier thème parle de la souffrance et je sais plus quel mot vraiment a été utilisé, mais c'est violent, donc trigger warning, on parle aussi d'abus sexuels et tout à travers ces textes et j'ai trouvé ça un petit peu trop percutant pour moi pour un début et peut-être ça a mis une distance avec le reste du livre. Ceci dit, c'est très bien écrit et je comprends que ça puisse être un coup de cœur pour beaucoup et surtout une bonne porte d'entrée dans la poésie parce que le fait que ce soit en prose, ça simplifie quand même la lecture et la compréhension des textes. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire, je pense que je suis un petit peu passée à côté, voilà, ça m'a pas... La forme des textes déjà
moi je pense m'a pas embarqué, mais c'est pas grave, ça arrive et puis c'est tout. Ça n'empêche vraiment pas que ce livre, je pense, est très beau, très qualitatif. Ça n'enlève rien à la qualité du bouquin, c'est juste voilà, moi, enfin, on s'est pas rencontrés. Et je regarde juste la nationalité de l'autrice parce que je pense que ça doit être genre indienne. Ah, indienne-canadienne, elle a une double nationalité. Bon, bah, très bien. En plus, ça fait lire voilà, des autrices étrangères. Donc, je te conseille ce livre si ça te tente et si tu l'as pas déjà lu. Parce que quand même, ça fait un carton sur les réseaux sociaux il y a quelques années. Donc, une fois de plus, j'arrive un peu à la bourre. Mais ma foi, chacun son rythme. Hein. Je suis tortue. Et ben voilà pour mon mois de mars. Donc, 4 lectures. 1, 2... De super bonnes lectures avec La Part des Flammes et Le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Une lecture sympa avec Meurtre et Charlotte aux fraises. Voilà, je dénigre pas, hein. J'ai vraiment pris du plaisir, mais je peux pas la même mettre sur la même balance, c'est vrai. Et voilà, une petite déception avec Lait et Miel, mais contente de l'avoir lu quand même. Donc un mars au féminin assez léger en termes de quantité, mais ma foi, j'ai rempli le challenge. Et ben voilà, je te dis à très bientôt, je suis en train de finir un vlog, donc je pense qu'il y aura aussi une vidéo la semaine prochaine, et ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on relance la machine? Peut-être. En tout cas, je te fais des bisous.